Salut à tous, c'est Nuin et aujourd'hui les gars, on va visiter une maison de millionnaire plutôt ma foi assez incroyable. Donc déjà là vous voyez d'ici, vous voyez là-bas à droite le petit hélico, et bah on va aller visiter ça. Et aujourd'hui les gars, je vous ai sorti une petite AMG. Ah voilà, vous l'aurez reconnu je pense, je vais la garer juste ici pour vous voir un peu à quoi elle ressemble, voilà, bien au soleil. Donc évidemment je suis encore une fois avec Deadpool. Et désolé si je parle pas trop fort parce qu'il est un peu il est un peu tard. Voilà. Alors, donc petite AMG GT décapotable. Alors attendez, juste essayer de d'enlever la décapotable. Donc apparemment la décapotable ça marche pas, mais bon c'est pas grave, on a quand même un magnifique véhicule. Donc je vais mettre en première personne. Donc déjà regardez, on a une plaque française. Ok, donc le créateur nous a mis une petite plaque française, hein, française. Bon, Mercedes, c'est pas français, c'est allemand, mais c'est pas grave. Au moins, nous, on est français, et voilà, quoi, on a une petite plaque française. Alors, donc déjà, regardez, visuellement, elle est pas mal. Donc moi, je l'ai mis en verte. Après, je vous la montre un peu en blanche, on va l'accuser en blanche pour voir ce que ça donne. Là, en vert, histoire que ça soit bien flashy, que vous voyez bien à quoi elle ressemble, quoi, j'ai envie de dire. Et franchement, elle est magnifique. Donc vous la regardez les jantes, Mercedes. Ah ouais. Déjà l'intérieur, il a l'air d'être incroyable. Et le derrière qui est tout simplement magnifique. C'est la GTS ou la GTS? Non, moi c'est GTS. Hein. Je suis pas trop sûr. Enfin, je connais pas trop ce genre de modèle parce que c'est vrai que c'est assez cher. Il me semble que dans la vraie vie, le véhicule il coûte 130 000 euros. Et voilà quoi, on va aller visiter cette petite maison tranquillement. Je vais juste vous montrer l'intérieur de la voiture. Attendez. Ah ouais, what is this shit? Alors je crois qu'il y a les fenêtres qui sont buggées quand j'ai ah ouais, ok, regardez, les fenêtres sont buggées en fait quand j'essaie de mettre un décapotable. What is this? Ok, c'est pas grave. Alors du coup je vous montre l'intérieur. Donc voilà, petit intérieur AMG, bien évidemment bah c'est un AMG, donc forcément c'est un pack AMG. Juste attendez, essayez de pas, voilà. Allez, ferme pas la porte. Ah oui. L'intérieur est plutôt incroyable. Et c'est vrai que quand je vois la Merco de Eden, la AMG qu'il a, là, il a une voiture AMG, c'est vrai que ça ressemble pas mal. Hein. Et puis moi qui ai déjà aussi vu des AMG chez le concessionnaire Mercedes, ça ressemble pas mal. Ok. Enfin bref, c'est pas le véhicule qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment la villa qu'on va aller visiter. Ça, tout de suite, la petite villa. Ouh, j'ai failli écraser un lapin. Ouais, je suis vigilant même sur GTA. Alors, ok. Déjà, je vous le dis, vous allez être choqués de la maison. Déjà, on arrive. On voit que ça pèse. Ah ouais, c'est magnifique d'arriver en AMG comme ça. Imaginez-vous dans la vraie vie avec ce. Ah ouais, ok. Donc, je vais beaucoup dire le mot ah ouais parce que je vais être choqué sûrement. Ouais, vous savez que maintenant que c'est mon mot. Hein. Ok. Ok, donc le gap est plutôt pas mal. Hein. Je vais me garer. Je vais essayer de me garer tranquillement. Pas trop abîmer les véhicules de collection quand même. Parce que là, il y a des véhicules de collection. Donc, je pense que. Hop. Voilà. Je suis bien. Voilà, je suis bien. Voilà, Deadpool. Alors. Qu'est-ce qu'on a de beau déjà dans ce garage? Bon, bah voilà, la petite AMG. Je pense qu'il relève un peu le niveau. Et bah écoutez, ça a l'air d'être un millionnaire qui a des véhicules de collection. Oh, j'ai vu quelqu'un là-bas. Bonjour. Attendez, je vais aller lui rendre visite après. Alors ici, je crois qu'on a une Corvette. Je vais voir si je peux la prendre. Je peux la prendre. Ouais, c'est une coquette. Bon, je crois que c'est une Corvette dans la rue. Je suis pas trop sûr. Moi, je connais pas trop les véhicules un peu anciens. Ensuite, ici, on a quoi? On a un petit Porsche pas mal aussi. Hein. Ah ouais. C'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Bon, je connais pas les modèles, donc si je me trompe, c'est normal. Je crois que c'est Corvette aussi ici. Hein. C'est une Corvette, ouais. C'est Corvette, ça a pas l'air d'être Porsche. C'est pas style Porsche, ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On a... Ouh, une petite... Bah là, on a vraiment une Porsche, voilà. Là, on a une Porsche. Donc là, apparemment, il y a un mécano qui répare la Porsche. Je vais mettre en première personne. Bonsoir. Ça répare la Porsche. Tranquille, je crois qu'elle est abîmée, il me semble. Hein. C'est stylé. C'est vraiment pas mal fait.
Ok, donc on va passer directement au... à la visite du garage. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? C'est quoi ça? Je sais pas du tout. Ok, c'est des portes. Ça a l'air d'être un... le gars garagiste ou quoi? Le... voilà, il est ingénieur, je sais pas. Alors ici, on a l'air d'avoir un beau véhicule. Je sais pas ce que c'est comme véhicule, mais ça a l'air d'être pas mal. Ici, on a un petit moteur. Ok, le gars, en fait, il a un garage chez lui. Il a un garagiste. Et là, encore une fois... on a une petite moto pareil qui apparemment est abîmée en construction. Alors, ici, ah ici on peut, si on peut rentrer. Ok, on a une chambre forte. C'est parti, on va aller voir ça. Alors. Ok, je comprends pourquoi c'est une chambre forte. Je comprends pourquoi c'est une chambre forte, une chambre forte, pardon les gars. Ah ouais, regardez les lingots d'or. Shit. Bon, je pense que ça c'est... bon, y a des gens qui ont ça dans la vraie vie, hein. Mais je pense que... on n'aura jamais ça. Ouais, les idées, shit. Bon. Jamais dire on n'aura jamais, mais... bon, je pense que tout ça là... ouais, les idées, ça. Il y a encore des lingots d'or ici. Il y a des billets partout. Je sais pas, il y a combien de millions là-dedans, mais... ça a l'air d'être pas mal. Et le gars est plutôt pas mal équipé, hein. Le gars, il a un... il a une amulation chez lui, tranquillement. Il est au calme, quoi. Petite amulation. Il est bien équipé, quoi. S'il part au combat, lui, si c'est la purge un jour, il est plutôt pas mal. Et ici, on a quoi, là? Entrant par la personne. Je sais pas du tout. Peut-être un plan ou quoi. Peut-être qu'il travaille dans un business, on sait pas. Ok. Eh bien, écoutez, donc là, c'était la petite chambre forte, ainsi que le garage. Alors, on peut monter par où? Je sais pas si on pouvait monter par là. Déjà, on a une plutôt pas mal belle vue sur la ville. Hein. On a une belle vue, hein. Ouais, c'est le cas de le dire quand même. Hein. Baie vitrée comme ça, je kiffe les maisons comme ça avec baie vitrée. C'est pas mal. Ah, ici, ok. Alors, petit escalier, tranquille. On va monter ça un peu plus vite quand même. Ok. Donc nous, on est passé par l'entrée du garage et aussi il y a une entrée ici. Alors... qu'est-ce qu'il y a de beau ici? S'il n'y a rien de spécial, je pense qu'on peut garer des véhicules, à mon avis. Ici, ouais, il y a des petits arbres, quoi. Enfin, truc plutôt basique. Ah! Oula! Attendez, je vais déjà aller voir là-bas ce que c'est. Ok, ici on a une petite terrasse. Avec, ouais, ouais plutôt pas mal, quoi. Ah oui, le gars, il a une piscine. Enfin, c'est pas une piscine, non? C'est un peu décoration, je pense. Donc ça, c'est l'entrée de chez lui. D'accord, le gars, il a une entrée avec de l'eau. Pourquoi pas? Pourquoi pas, visitons. C'est parti. On va visiter le premier étage d'abord. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau? Ok, le gars, il a déjà de vraiment pas mal pesé. Déjà, il a le billard. Voilà, on avait déjà vu le billard, je crois, dans l'épisode de la maison milliardaire. Mais je pense que la maison là, elle est beaucoup plus hard. Hein. Je pense que le gars qui a cette maison, il pèse plus, à mon avis. Alors, ici, la petite cuisine bah, américaine, hein, le frigo américain, forcément. Je veux dire, ça c'est la base d'un, c'est la base quoi. Ensuite, on a encore, franchement, elle est magnifique. Il y a des petites décos et tout comme ça. C'est vraiment pas mal. Alors, on a quoi ici? Bonjour. Bonjour. C'est votre maison? Ah, je crois que tu parles pas. Bonjour. Eh oui, ils ont pas l'air de parler. Bon, apparemment, je sais pas ce qu'ils font. Peut-être qu'ils regardent la télé, ils sont concentrés sur une série. C'est quoi ici? Wouah! J'ai voulu taper dans le truc. Ok. Ah, il y a un sous-sol aussi ici. Attendez, il y a un sous-sol. C'est quoi ça? Dites pas que c'est un... d'accord! Ok! D'accord! Donc le mec il a un ciné chez lui, donc il regarde s'il veut regarder Deadpool ou je ne sais quoi, il a un truc chez lui, il a un ciné. Avec des chips et tout, une machine à boisson, enfin un petit truc de boisson. Ok!
Magnifique. Ah oui, d'accord, piscine au sous-sol. Ah ouais, ok. Le gars pèse. Effectivement, le gars pèse. C'est magnifique. Je kiffe visiter ce genre de maison. Je me suis pas spoilé, là, bien évidemment, que je découvre en même temps que vous. Hein, donc, croyez pas que je fais des fausses réactions ou quoi. Je découvre vraiment en même temps que vous. J'ai juste vu la maison d'extérieur, quoi. Ensuite, alors. On va comme visiter. Attendez, déjà, j'ai juste visité le haut. Et c'est vraiment pas mal, hein. Et la police. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau en haut? Oh, apparemment, on a quelqu'un qui fait un petit barbecue. Bonsoir. Ah, et je sais pas ce qui cuit, mais ça a l'air d'être invisible. C'est pas mal. Ok. Ah ouais, regardez la vue de malade mental qu'on a. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin, t'as ça devant toi, quoi. Ah oui, regardez la piscine là-bas, la piscine. On va aller voir ça vite, vite, vite. Ok, ensuite aussi on a un petit salon bureau. Ouais, plus un petit peu plus bureau que salon. Ici on a des vitres. Il me semble que c'est tout. Ok. Bon, deuxième étage, c'est pas trop foufou non plus. Je pense que le gars c'est plus un truc détente, réunion. Je pense que c'est à faire des réunions. Et on va aller visiter l'extérieur maintenant. Oh my god, le gars il a trois meufs déjà. Je sais pas si c'est ses collègues de travail ou je ne sais quoi, mais dire que tu vois que le mec il est là quoi. Pas mal. Bonjour. Crois qu'il parle pas. On a un petit bar forcément, bien évidemment. Le gars pèse, hein. Le gars pèse. Et ici on a encore un petit salon. Voilà, petit salon tranquillement. Ça, je crois que c'est une chose, je sais pas si ça, je sais pas ce que c'est. Et voilà, forcément, le petit jacuzzi, on va se mettre dedans. Petit jacuzzi. Et, ah ouais. T'es bien là-dedans, franchement, t'es bien. Regardez la vue de fou. Je vais bien évidemment vous montrer aussi la maison comment dire, de loin, comment ça fait. Ensuite, du coup, vu qu'il y a l'hélico, bah, on va pouvoir prendre l'hélico. Alors. Ensuite, on a le petit hélico. Voilà, tranquillement. Avec une vue plutôt agréable aussi. Hein. Franchement, le gars, il est bien. Ok. C'est parti. On prend l'hélico. Et je vais vous montrer la villa. À quoi elle ressemble. De l'extérieur. Oh, shit. Ah oui, en fait, c'est vraiment pas mal. Alors, je vais voir juste un truc, si par exemple, attendez, je vais juste voir un truc, je fais F4, si je change le temps, attendez, là, si je mets, voilà, elle est plus belle comme ça, hein. Ouais, elle est plus belle comme ça, regardez, ouais, en fait, elle est plus, ouais, genre là, elle est belle, là, elle est belle comme ça. Elle est juste incroyable. Et franchement, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. La piscine est magnifique. On va essayer de faire un plongeon dans la piscine. Et ensuite, on ira récupérer notre Mercedes AMG, forcément. Bon, c'est pas grave. Du coup, l'hélico, on lui a volé quoi. Merde. Bon, le gars, il peut se permettre, je pense. De haut, ça fait vraiment pas mal aussi. C'est vraiment full black. Et c'est parti. Allez, d'être dans la piscine. Attention, plongeon! Wouh! Ouh, c'est dire qu'on. Ouh, on a vu la piscine, les gars! J'ai plongé dans l'escalier, normalement je suis mort! Mais c'est pas grave. Alors, du coup, le garage, c'est par où? Est-ce qu'il n'y a pas une entrée un peu plus accessible? Parce que c'est vrai que le gars, il doit faire tout le tour, ça doit être chiant quand même. Ouais, ça doit être chiant. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va faire tout le tour. On va sortir par là. Petite porte vitrée d'ailleurs, j'ai pas remarqué. On va aller chercher notre AMG les gars, notre Mercedes. Et voilà, en tout cas si vous aimez ce genre de vidéo, pardon. Oh non, c'était pas par là, c'est par là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous montre d'autres maisons. Il y a des maisons sous l'eau, il y a pas mal de choses à faire. Et voilà, si, ah bah elle a des spawns, d'accord. C'est pas grave, on va la faire spawn. Alors.
Véhicule spawning, sport, et voilà. Bon. J'ai spawn dans. Attendez, je vais me téléporter parce que là, c'est la cata. Je vais me téléporter du coup sur la plage. Voilà. Tranquillement, les gars, on est là, on est en live, on est posé. On est en live mode, bien sûr, je parle. Alors, déjà en noir, elle est vraiment belle aussi, hein. Mais je pense qu'en blanc, elle risque d'être pas mal. Alors. Véhicule option, véhicule color mode. De base, moi je l'avais mis comme ça. Elle est belle. Mais j'ai envie de tester en, ouf, en bleu aussi, elle est pas mal, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous aimez bien comme couleur. Quoi comme couleur, mais. En ouf. Alors il y a Ice Wife. Pur. Ah ouais, pur. Ouh, en gris aussi, hein. Moi j'aime bien en pur, moi. Ah oui, elle est belle, hein. Ah ouais, vraiment pas mal, ouais. Elle est pas mal. Ok, et bah écoutez, c'était la visite d'une maison d'un millionnaire. Ouais, du coup, millionnaire, on s'en fout un peu. Je pense que le gars pèse. Et avec une petite AMG GT, c'était vraiment pas mal. Et d'ailleurs, elle est en décapotable, hein, j'avais pas remarqué. Mais du coup, on a réussi à la mettre en décapotable. Du coup, elle est vraiment pas mal. Voilà. Elle est belle. En tout cas, voilà, merci à tous. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis bye.